Alors bonjour, je me présente donc Nicolas Berdal, je suis régional manager de la société Humancraft, responsable d'agence à Aura Technologies. Et ma fonction première, on va dire, c'est d'aider les entreprises à trouver des consultants dans le domaine du digital et de l'IT. Alors, mon parcours scolaire, justement, il est très bien terminé puisque j'ai fini par un master à l'IAE. Avant ça, j'ai fait un DUT GEA à Valenciennes, ensuite une licence grande distribution à Roubaix, pour ensuite intégrer tout doucement le e-commerce avec un M1 e-commerce toujours à Roubaix, et j'ai fini sur des chapeaux de roue à l'IAE avec le master commerce électronique, MCE, il y a de ça quelques années au final. Alors, mes motivations, c'est déjà de voir des personnes motivées en face de moi qui ont soif d'apprendre et qui sont intéressées par le parcours des intervenants. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir à l'IAE. Puis ensuite, c'est aussi de transmettre, même si, encore une fois, je suis plein début de carrière, mais c'est de transmettre un peu tout ce que j'ai réalisé post-IAE, donc depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, de transmettre un peu toutes les informations et tous les passages par lesquels je suis passé. Alors, les enjeux de Digita, c'est d'aller toujours plus vite, de faciliter l'expérience utilisateur online, de délivrer l'information rapidement et de façon efficace. Donc voilà, de digitaliser un peu toutes nos actions et tous nos gestes du quotidien, si je puis dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Alors les travaux de groupe, je peux que vanter ça parce que pour moi, c'est ce qui m'a, quand j'étais étudiant, c'est ce qui m'a permis de travailler du coup, justement avec d'autres personnes, de collaborer et également aussi de rentrer sur des cas concrets, des situations concrètes du marché, contrairement au final rester 8 heures assis, on va dire écouter de la théorie, c'est bien de pratiquer. Donc voilà, moi j'essaie d'insuffler ça en tout cas dans mes interventions avec des cas pratiques et des cas qui sont présentés par mes clients que j'ai déjà eu auparavant. Donc je peux que vanter effectivement les cas pratiques et les mises en situation concrète. J'en ai un en tête, c'est Trello. C'est un outil de gestion, outil personnel, mais gestion aussi en termes d'équipe. Ce qui permet tout simplement de planifier, de cadrer, de répartir un peu les différentes tâches pour arriver sur un projet, un résultat final. Donc ouais, Trello, un très bel outil de gestion que moi j'utilise à titre perso et que j'utilisais aussi quand j'étais manager pour suivre mon équipe, pour avoir des interactions et avoir tout effectivement dans un seul et même outil pour éviter que ça se perde à droite et à gauche. Avoir une profession où les jours ne se ressemblent pas, lancez-vous dans le digital parce qu'effectivement un jour n'est pas l'autre. Donc c'est voilà, c'est le côté aussi intéressant. Le secteur bouge beaucoup, il y a toujours des nouveautés et donc ça rend intellectuellement parlant, ça rend le métier vraiment très intéressant.